asleep amidst the trees. Bats all a swaying in the breeze. But one soul lies anxious, wide awake, fearing all manner of goosehugs and rays. Salut à tous et on se retrouve au beau milieu d'une tempête pour aller parler à Mademoiselle Molly. Salut Mademoiselle Molly. Je suis Molly, messire. Mais nous le savions. Vous vouliez me voir ? Appelez-moi Gérald. Gérald ? Plutôt mignonne celle-là. Le Gérald ? Oui ! Celui que Jasquier a tiré d'affaires à maintes reprises. Enfoiré. Je vais lui casser son cou. C'est bien moi. Sauf que c'est plutôt lui qui a des ennuis, et moi qui le sauve. Ah oui ? Vraiment ? Ce n'est pas Jasquier qui vous a évité le gibet à Flotsam en tranchant la corde avec une flèche tirée à plus de 100 pas ? Ouais, quoi ? Non plus ! Jasquier n'est même pas capable de... Écoutez, peu importe. Sauriez-vous où se trouve notre maître archer, par hasard ? Non, je n'en ai pas la moindre idée. Je ne l'ai pas vu depuis si longtemps. Ah, oh, quelle est triste. La baronne n'apprécie guère Jasquier. Elle dit que c'est un fainéant et un bon à rien. Le pauvre. Vous imaginez ? Et c'est le cas, hein. Des un menteur en plus. Mais sa sœur pourrait peut-être vous aider. Ah, sa sœur. C'est une gentille fille. Il a une sœur, Jasquier. Très bien. D'accord, vas-y. Désolé de vous l'apprendre ainsi, mais Jasquier n'a jamais eu de sœur. Bien sûr que si. Je l'ai vue comme je vous vois. Elle est blonde, d'accord. Elle est blonde, c'est vrai. Mais ils n'ont peut-être pas le même père. Ni la même mère, à mon avis. Peut-être. Mais il tient beaucoup à elle, en tout cas. Il suffit de voir comme il la regarde, comme il porte ses Ouais. Vous savez où je pourrais la trouver, cette sœur ? Non, désolée. Dans le lit de Jasquier, sûrement. À chaque fois que je lui parlais d'elle, Jasquier faisait mine de ne pas entendre et changer de sujet. Ah, tu m'étonnes. Vous vous souvenez de votre dernière conversation avec Jasquier ? Où est Jasquier, là ? Tu peux pas me le dire ? Bien sûr. Il avait besoin d'argent pour louer une barge. Une barge ? Pourquoi faire ? Et toi, tu lui as passé vous l'argent. Vous voulez faire une croisière romantique sur Mais oui, bien sûr, oui. Pour se barrer. Clair de lune. Il m'a promis des fraises et du vin qui pétille. Et il a dit qu'il me chanterait des arias. Et je ne l'ai pas revu depuis. Plutôt beau gosse, le Jasquier. Bah allez, ciao. Merci, Molly. Attendez. Et merde, mais lâche-moi. Jasquier m'avait promis de me montrer ses gravures un jour. J'aimerais tellement les voir. Il ne devrait pas être très dur à convaincre. C'est sa marotte. Il adore les faire admirer au premier venu. Oh, merveilleux. Merci. Bah, dès que je le retrouve, je te montre ses gravures. Et bon, ok. Ah, parler à Marabel. Pourquoi c'est là ? What ? Bah mais je peux pas monter, il y a trop de monde. Dégagez ! Voilà. Tu peux me ramener Gérald, s'il te plaît ? Vous voilà. Faisons route ensemble, vous voulez bien ? Ah oui, je veux bien, oui. Avec plaisir. La route pour Novigrad semblera moins longue en votre compagnie, ouais, Gérald. Oh. Je vous envoie le compliment. Pas bien. Ils sont potes en fait. Et merci pour la selle. Et un peu long ce chargement, il y a eu un problème. Vous l'avez pas vu, j'ai tout coupé au montage, hein. Ça vous arrange bien, les gars. Putain. Fin du voyage. Bande d'ingrats. Merci pour votre compagnie. De rien. De même. Au revoir. Bah, tu ressembles quand même à un vampire, mec. Tu fais peur. Hein. T'as beau être mon pote. Bon, du coup, je suis retourné ici, ça va, je suis content. L'autre, 66 pas, ça va, c'est relativement proche. On va y aller à patte. C'est là-bas, c'est en bas. Ah, saute. Ne saute pas. Ça a l'air un peu haut, là, quand même. Où tu cours comme ça ? Chez Rosa... Rosa Varartré. Hop, c'est par là.
Oui. Voilà, nous sommes à côté. Bonjour. Oh, le facteur n'est pas passé. Il ne... Oh, ne me regardez pas avec une tête. Ah, mais c'est pas moi qui regarde. C'est moi. Attendez dehors. La leçon n'est pas terminée. Ah, mais ils sont à l'école. D'accord. Je croyais qu'ils jouaient, moi. Non, j'en ai rien à foutre. Désolé, je n'ai pas le temps. Je cherche Jasquier. Je m'appelle Gérald et je... Gérald ? Je vous connais. Pas moi. Bien. Puisque vous êtes si pressé, joignez-vous à nous. Et merde. Les enfants, l'attrapeur de rats est malade, mais nous avons la chance de recevoir un sorceleur qui va nous parler de son métier. Et merde ! Mais j'ai pas le temps, j'ai dit ! Génial ! Vous n'allez pas les décevoir tout de même. Ah, la fourbe ! La fourbe avec sa coupe de la Star Wars. Bien, qui veut poser la première question ? Moi, moi ! Presque. Ça veut dire quoi que les sorceleurs sont lubriques ? Ça veut dire qu'on a une énorme libido. Ça signifie que nos mutations ont entraîné une forte augmentation de notre libido. Voilà, t'as rien compris. Libido quoi ? Quand une fille aime un sorceleur, il lui dit « Tu feras quoi si je tue un monstre ?» Et elle, elle dit « Tout ce que tu voudras. » Et alors, il lui dit « Hé hé ! Alors tu vas faire la bête à deux dos avec moi !» Et c'est ah ouais, quand même. Que naissent les petits sorceleurs. Reprenez-vous, un peu de sérieux. Question suivante. Ces petits pervers. C'est vrai que les sorceleurs tuent les rois ? Quoi ? On est... Ben non, on n'est pas des régicides, non ? Si le... Non, c'est faux. Non, ce n'est pas vrai. C'est un menteur. Non, les sorceleurs, ils mentent jamais. On n'a si, pas que ça à faire. Fois, ils mentent. Parce que c'est pas des chevaliers. Si tu veux tuer un dragon, t'appelles un chevalier. Mais pour tuer un zeugle dans le tas de fumier, faut appeler un sorceleur. Ouah, comme il me ça parle suffit, mal. J'en ai assez entendu. Rentrez chez vous. La classe est finie. Ah, heureusement, elle ouais me défend. Hein. Dites au revoir à Maître Gérald. J'espère que vous reviendrez. Moi, je voulais voir le ratier. Ouais, mais je me suis fait envoyer chier, donc je reviendrai pas. Je me fais envoyer chier par des gosses. Que voulez-vous ? Ah, ce bug graphique. Je cherche Jasquier. Je sais que vous avez vu Jasquier récemment. Oh oui, le jour le plus long de toute mon existence. Ah, super. Il vous a déclamé ses poèmes ? Non. Nous avons lu le guide illustré des champignons. Magnifique ! Ah, je vois. Il drague bien, en fait, en fait non, Jasquier. Je ne vois pas du tout. Je donne ma langue au chat. Les moisissures. Voilà ce qui l'intéressait. Quand sa main a quitté mon genou pour se poser sur une illustration de pénicillium... J'ai su qu'il n'y avait plus rien entre nous. What ? Attends, le mec, il a laissé la meuf pour étudier des champignons ? Quoi ? D'accord. J'ai trouvé un poème de Jasquier. Il vous décrit comme une femme aux multiples talents, dirons-nous. Vraiment ? Et mes poèmes, il en parle aussi ? Quel poème ? Ah, t'en fais des poèmes, toi aussi ? J'ai une passion pour les chevaux, vous comprenez ? Depuis toujours, je cherche les mots pour décrire leur indomptable beauté. Vous avez vu mes poèmes chez Jasquier, peut-être ? Non, désolé. Non. Je n'ai rien trouvé. Hi-ha ! Tel un serpent, le fouet se dresse. Hi-ho ! Et clac ! L'animal est dompté. Les talons dansent entre ses cuisses. Et là, s'engage une folle chevauchée. Désolé, je n'ai vraiment pas une âme de poète. Ouais, c'est nul surtout. Vous avez revu ? Bah, il y a beaucoup de va-et-vient dans cette maison. Incident. Non. J'ai bien pensé à lui donner une seconde chance. Il a un cœur d'or, il lui faudrait juste un peu de discipline. Hélas, il n'est jamais revenu me voir. Comme ça, c'est la vie. Mais il peut pas aller voir toutes les gonzesses non plus, hein. Bon, bah, du coup, c'est pas toi non plus, faut aller voir la dernière. Évidemment, c'est toujours la dernière. What ? Elle est en train de faire un sort là. Qu'est-ce qui se passe ? Elle est à Paris derrière moi, genre. Ok. Elle est à Paris derrière moi, genre. Vous ne passerez pas ! Ils me font flipper ces individus louches, et pourtant ils font rien. Hein. 90 pas, bon, ça va, c'est proche. On va passer par là. J'arrive pas à y croire.
pattes. Où c'est qu'il me faut aller? Non, bon, bah, on va passer par là. Alors, on va remonter les escaliers. À mon avis, c'est là-haut. Voilà. Hop, 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 on monte, allez. Allez, monte. Oui, monte deux par deux, les marches. Ça va plus vite. Bon, ça va qu'on n'est pas loin, on n'a pas besoin de... Ah non, c'était c'était pas Rosa Varartre. Merde, c'est par là. Je vais passer. À quoi je joue? Je dois voir Rosa Varartre. C'est peut-être la maison, en fait. C'est verrouillé. Merde. Que voulez-vous? Calme-toi. Le mec, il me laisse passer et après, il se met devant moi. Je suis le nouveau maître d'armes. Ah, plutôt pas mal, ça. Je viens pour Rosa Varartre. Je suis son nouveau maître d'armes. Suivez-moi. Dame Rosa vous attend. Ah, ça passe crème. Vous savez dans quoi vous mettez les pieds, j'espère. Ouais, t'inquiète. Dame Rosa a un caractère bien trempé. L'épée à la main, c'est une vraie tornade. Je la déglingue. Prenez une épée en bois et ne faites pas de mal à la demoiselle, sinon il vous en coûtera. Vas-y! Suivez-moi. Faut pas l'équiper, non? Non, bah non, bah je l'équipe pas. Hein. Je la déglingue avec mes épées. Oui, bah oui, t'as raison, monte sur les côtés. Hello! Vous êtes mon nouveau maître d'armes? Oh! Eh bien, père ne s'est pas moqué de moi cette fois. Et père, ah, elle a un petit sourire, hein, regardez. Vous devez faire vos preuves. Comment ça, faire mes preuves? Je sais me battre, hein, si c'est ça que tu veux savoir. Si je suis ton maître d'armes, c'est pas pour rien. Ah, voilà. Ah, je te plais comme ça? Ah oui, je te plais. Ah, c'est un boss? Viens là! Ah! Allez, tiens, dans le dos! Aïe, waouh, c'est vraiment une vraie tornade. Ah, je peux pas utiliser mes pouvoirs. Arrêtez de fanfaronner. Battez-vous. Eh, mais elle a vraiment besoin d'un maître d'armes. Ah, elle abandonne. Au combat, vous êtes plus doué que votre prédécesseur. En fait, merci. Je ne suis pas votre maître d'armes. Et qui êtes-vous alors? Comment êtes-vous entré ici? Bah, en disant que j'étais le maître d'armes. Hop, les gardes m'ont laissé entrer. Je me suis présenté comme le nouveau maître d'armes et vos gardes m'ont laissé entrer. Ça n'a pas été bien difficile. Les imbéciles, ils seront punis. Mais si vous... De toute façon, je les aime pas, les gardes. Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Me voler? Me tuer? Répondez! Non, je veux... Soyez sans crainte. Je cherche... Bah, je vais lui faire un compliment quand même, parce que voilà. Un petit conseil. Vous vous débrouillez plutôt bien, mais quand vous esquivez, n'exposez pas trop votre flanc gauche. Oh, je sais. C'est une mauvaise habitude et je n'arrive pas à m'en débarrasser. J'espérais trouver quelqu'un à Novigrad pour m'aider. Bah, je veux bien t'aider, moi. N'essayez pas de m'entourlouper. Vous n'êtes pas ici pour me donner des conseils, me semble-t-il. Bah ça va, calme-toi, je cherche Jaskier. Je suis à la recherche de Jaskier, votre professeur de rhétorique. Mon professeur de rhétorique? Elle est bien bonne. En fait, de rhétorique, Jaskier passait son temps à jouer de son luth et à chanter la sérénade. Son idée de l'amour pour toi, sans doute. Mais vous avez bien eu une liaison avec lui, non? En tout cas, il a réussi son cours. Il m'a couru après, oui. Mais non, il a pas réussi. Ah merde. Il a pas réussi. Bon. Dit, cette peste a sans doute voulu s'amuser à mes dépens. Mais assez parlé. En garde. Ah, encore. Ah mais attends, mais je suis pas prêt. Ton flanc gauche, j'ai dit. Pitoyable. Ton flanc gauche. Aïe, pitoyable. Tu es trop lente. Bon, là, tu m'as eu. Attends, je vois plus rien. Pause.
Mais tu es trop lente! Arrête ça! Même avec une épée en bois, je te déglingue! La plupart des maîtres d'armes ne vous arrivent pas à l'échec. Que diriez-vous de me donner une petite leçon privée? Je veux bien. Comment pourrais-je refuser une requête? Ouais, je peux avoir le temps, c'est bon. Eh bien, les. Mais pas pressé non plus. Qu'est-ce que vous manigancez? Eh merde. Vous cherchez. Ah, c'est sa sœur jumelle! Eh bien, d'accord. Je vous présente la responsable de toute cette affaire. Ma très chère sœur, Edna Varadre, l'être le plus malicieux du continent. D'accord, bah du coup, il a réussi son coup quand même, hein, puisque bon, c'est sa sœur. Si c'est sa sœur, Attendez. Jaskier vous a confondu lui aussi, c'est ça? De temps à autre, oui. Mais Rosa lui faisait vite comprendre son erreur. Si tu pouvais cesser tes perfidies un instant, ma chère sœur, je pourrais tout expliquer. Edna, du coup, il pense avoir couché avec les deux? Signé de mon nom. Cet idiot n'y a vu que du feu, bien entendu. Naturellement, il n'a pas cessé de me poursuivre de ses assiduités. Rosa, je l'ai fait pour ton bien, tu le sais. Je voulais t'aider à faire le premier pas. J'ai vu comme tu rougissais à chacune de ses balades. Ah, quand même! Sinon, c'est lors de tes funérailles qu'il chantera sa prochaine chanson. Ouais, elle est carrément jalouse. Allez, silence! Moi, je fais l'homme. Oh, quelle voix ferme et puissante! Voilà un professeur comme je les aime. Ah! Peut-être que je me mettre à l'escrime. Écoutez, je veux simplement savoir. Avez-vous vu Jaskier récemment? Edna, peut-être, mais certainement pas moi. Ma tendre sœur, jamais je ne passerai de temps seule avec un homme pour qui tu brûles d'une passion secrète. Une passion ouais. secrète? Pour un ingrat qui chante les louanges d'une autre? Je ne suis pas si sotte. Oh là là, les disputes reloues. Bon, je m'en fous, je veux savoir où est Jaskier. Qui est-elle? Que savez-vous sur elle? Une poétesse ou une barde, si ma mémoire est bonne. Belle et talentueuse, bien évidemment. Cette femme, elle n'est pas d'ici. Je crois l'avoir entendue exalter son mélodieux accent de Kovir. C'est logique. Il l'appelait Kaloneta. Et les gens de Kovir ont souvent des noms étranges. Il faudra que j'interroge Zoltan au sujet de cette Kaloneta. Et merde. Je dois partir. C'était un plaisir, mais je vais devoir vous laisser. Allez, ciao. Ravi de vous avoir rencontré. Au plaisir de vous revoir. Oui, bien sûr. Je reviendrai. Contrairement au gosse, vous m'avez assez bien... Oh, vous m'avez très bien accueilli. Allez, dites-moi où est Cor. Vous m'avez convaincu, mademoiselle. Choisissez le lieu et la... C'est juste parce qu'elle sait bien se battre et que ça me plaît, tu vois. Très bien. Au revoir. Je serai là. Au revoir, maître sorceleur. Ah, la jalousie. Ah, regarde comme elle est jalouse. Ah, elle est jalouse. Ah, comme elle est jalouse. Bon, je remets mes vêtements dégueulasses. Oui, j'aurais bien voulu avoir cette armure. Je peux pas avoir cette armure? S'il vous plaît, donnez-moi l'armure. Qu'est-ce que c'est? De l'eau. On s'en fout complètement. Et l'eau. Et du coup, l'autre, elle est jalouse, hein. Avec tu es jalouse. Kessain. Kessain? Elle parle pas. Mais de quoi elle... Qu'est-ce qu'elle raconte? Bon, allez, je me barre. Faut reparler à Zoltan, donc on va retourner voir Zoltan. Les jeunes de nos jours, ils ont rien dans le crâne. Bon, on s'en fout. Je veux sortir. Ça, elle est trop grande, cette maison. Ah, c'est là. Salut les gardes. En fait, j'étais pas le maître d'armes et vous allez vous faire engueuler. Gardez vos distances. Oui, bon, bah ça va. Allez, de retour vers Zoltan. 300 pas, c'est assez long, donc on va y aller à cheval. Allez, ce sera peut-être un poil plus court. Même si... Où il va? Qui s'y va? Mais il a pété un câble. Oh! Arrête-toi là! Mais t'y es fou, toi! N'importe quoi! Je te jure. Ouais, les pas, on les fait relativement lentement, hein, quand même avec le cheval. J'en ai marre. C'est assez long. Allez, plus que 190 pas. C'est par là où tu vas.
Mais t'arrêtes pas à chaque fois que tu vois quelque chose. Ah, et la musique qui se lance, il y a dû y avoir quelque chose qui s'est passé, mais j'ai pas le temps de m'arrêter, poussez-vous. Dégagez le passage, je suis là. J'y suis presque. Ah, ici, c'est pas là où il y avait le voleur, ouais. Je pense, hein. Oui, Novigrad. Voilà, c'est ici. On est arrivé. Descends. À la taverne dégueulasse, il y a Zoltan. Zoltan, salut! Je suis allé voir tout le monde et je me suis même fait des copines. Qu'est-ce que je vois? What? T'as même pas bu ton nom? C'est quoi ce hibou? What the fuck? Répète après moi. Hey, il est trop stylé! Ah, j'adore! Ah, j'adore! Il est trop beau! Et toi, t'es à chercher les gonzesses ou t'as parlé qu'avec le hibou? Ah, t'en voilà. Je te présente Ulotte. Un jour, j'arrive à la faire parler. Mais c'est un hibou, c'est pas un perroquet. Ah ben voilà, ah, c'est une chouette. Même un mage ne peut transformer une chouette en perroquet, tu sais. C'est mal me connaître, Gérald. Donne-moi un peu de temps et elle jouera au Gwent avec nous, tu verras. Bref. Ah merde. Non, plutôt le Jaskier. Bon, ouais, parlons-en. Quoi de neuf de ton côté? Rien du tout. Ah bon? Elles m'ont tout. Ah oui, bah oui, une femme, une certaine femme. Depuis un moment, il avait l'air bizarre et il voyait une femme. Autre femme. La belle inconnue n'était pas sur ma liste, en tout cas. Elle ressemble à quoi? Blonde. Elle est blonde? Originaire de Covir, une barde probablement. Une certaine Calonetta. Calonetta, ouais. Merde. Je crois que je commence à comprendre. Ah. Tu la connais? Forcément elle. Mais non, Calonetta. Bah, c'est qui Priscilla? Vas-y, dis-moi tout. Je veux pas être plus précis. Elle est plutôt populaire avec ça. Pour te donner une idée, c'est Jaskier qui a qu'une paire de ça. Ah, mais tu m'étonnes qu'ils s'entendent bien. Perturbant comme image. Et comment a réagi Jaskier en rencontrant son double? Il est tombé amoureux. Forcément. Alors, ça, c'est la meilleure. Jaskier aurait-il trouvé chaussures à son pied? Oh oui! Et peut-être même un peu plus. Cette fille. Du coup, il s'est barré avec? La tête, je t'assure. Bon. Une petite visite s'impose alors. Et Sheila est dans une troupe de théâtre. Renard et les Goupilles. Quand ils sont en ville, on peut la voir tous les soirs au Martin Pêcheur. Ah oui, c'est effectivement Jaskier en fille. Hein. Si vous vous souvenez l'image d'avant, de l'épisode d'avant. Tu verras. Elle a l'air très moche. Bon, et toi, du coup, tu sais quelque chose? Oui! Oh putain, Emma! Non, je déconne. Bon, bah, retrouvez Zoltan au Martin Pêcheur. On ira faire ça la prochaine fois, hein, parce qu'il faut attendre le coucher du soleil. Et bah, chez moi, le coucher du soleil, il est déjà passé. Hein, donc, il faut attendre un jour encore. Oh là là! Merci à tous de m'avoir suivi. Bisous à tous. Bye bye!